Bien, salut à toutes et à tous, je suis Arcalo59. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Until Down, épisode 3, je crois. Non, 4. Épisode 4, pardon. On se retrouve avec le docteur Hill. Et on est sur Kranix Gaming. Donc voilà, donc ça a changé, hein. Feuilletez-le. Vous y Ouais, c'est trouverez des bizarre. images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le Y a plus. pas de problème. Y a pas de problème. Ça m'effraie. Les hommes m'inquiètent, les femmes m'inquiètent. D'accord. Bon, bah. Non, c'est les hommes, hein. Sérieusement. Les hommes. Ensuite. Oh. La foule. Oh, l'avion. Oh. Faut pas chercher. Ensuite. J'ai le vertige. Oh, le vertige, oui. Oh. Bah, je sais nager, donc ça devrait aller, je pense. Ensuite, serpent, serpent, serpent. Ah ouais. Moi, c'est les serpents. Ça va, vous êtes à l'aise là? Ok, on continue. Oh là, couteau, pistolet. C'est très dur. Pistolet. Là, il marche. Allez, pistolet. Donc voilà, donc on se retrouvera. Serpent, serpent. On se retrouvera sur. Aujourd'hui, on est mardi. Hein, parce que. Sachez que maintenant, je fais des vidéos le mardi aussi. On m'a. Oh la vache. Les clowns, mec! Les clowns! Faut pas chercher. Enfin bref, on est mardi aujourd'hui et. Je vous ferai lundi, mardi et normal. Oh, 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 oh. je vous ai fait peur, mille excuses. Vous Enfoiré! vous en sortez bien. T'es un enfoiré? Détendez-vous. Je mets du son. Je vais essayer de pas parler comme lui. Enfin, avec lui. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. J'ai pas compris. Alors. C'est difficile. C'est très difficile. Excusez-moi si je réfléchis, mais franchement, c'est très très difficile. Araignée! Merde. Ah, ça m'énerve ce truc. Pic, pac, 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 pac. Ensuite. Ben, sang. Oh non, les aiguilles. J'ai horreur de ça. Je vous préviens, vous essayez de me faire peur, ça. Les clowns. Les clowns. Oh. Intéressant. Les aiguilles. Les loups, je suis pas perdu. Ça va encore durer longtemps, là, votre bordel. Non, j'ai pas peur de l'orage, j'aime bien l'orage, donc ça sera les aiguilles. Merci. Voilà qui est intéressant. Oui? Ah bon? Merci pour cette si grande application. Les araignées, les clowns, les aiguilles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Oh non 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 non. Pas un vendredi. Ah. Je regrette, la session touche à sa fin, Oh mais merde. je vous promets que nous en reparlerons bientôt. D'accord. Faites bizarre. Fait de plus en plus noir dans cette pièce, je trouve. Pardon. Oh. Précédemment dans Until Down. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et
mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde! Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Chapitre 2, jalousie. Ça me fait ça aussi. Bonjour, Josh! Oh là là, compliqué, réfléchi et affectueux. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Excusez-moi, je suis un peu remis. Ah bah, puisque t'en parles. Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Merci à Fivez. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. S'accueille. Qu'est-ce qu'il a? Oh, excusez-moi, je suis un gros porc. C'est qui ça? Emily, qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être elle. Grosse pute. Chris. Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Ouais, Matt et Emily. Matt et Emily sont ensemble maintenant? Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. Qu'est-ce qui se passe? C'est gelé? Bah oui. Oh, il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio. Ah ouais. Tant que je te dénonce pas. Foiré. Allez, je te suis l'artiste. Bah ouais, fais gaffe à ta gueule. Oh non, putain. Mais pourquoi à chaque fois les portes elles sont gelées ou un truc comme ça? Salut, ça c'est toujours un... Salut Chris. Salut. C'est bon d'être de retour. Alors, comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Tu veux un calinou? Ça pourrait être pas mal. Oh. Bon, on n'a pas que ça à foutre à geler, ok? Je viendrai te sucer la prochaine fois. Tu sais, Josh, c'est bizarre, hein. Ashley était carrément canon aujourd'hui. Ah ouais, putain. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Ah ouais, parce qu'il est amoureux, là. Non, allez, bah ouais, carrément. Bah ouais, carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit? Comme si c'était possible. Arrête, tu sais, c'est possible. Ça, mec. Tout est elle possible. Passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Eh bien, allez, oui. Il faut bien réfléchir. Sa sœur, mec, sans peur, sans pitié, elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. Ouais. D'accord, j'ai compris. C'est bon. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as 4 jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Coucher? Personne ne m'a dit que je l'ai. Ah, on peut... Oh, on peut rentrer par là. Je m'occupe de prendre la hache, ok. Ah non, elle est même plus là. Eh bien... C'était intéressant. Ah, ça, on va pousser ça, d'accord. Tiens, on s'occupe de ça, Josh. Eh bah, dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Allez, pousse! Pousse! Oh! Putain! Putain! Je suis pas venu en vacances, mais on fait du sport. Oh là là.
Oui, putain, c'est moi qui l'ai monté. Évidemment. Doucement, Chris. Doucement. Oh là 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 là. Oh, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde. Putain, mais pourquoi ça me fait peur à chaque fois? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Merci. T'es sûr que ça m'aidera? Bon. Hé, hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Impeccable. Y'a pas de problème. Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Eh oui, on est prêt à fouiller dans le noir, les amis. Et du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine pour fouiller dans le noir. Eh oui, déjà. Bah oui, comme j'ai fait une vidéo hier et aujourd'hui qu'on est mardi, donc voilà. Donc on se retrouve lundi. Non, d'abord on se retrouve jeudi. Je crois que c'est jeudi qu'on se voit. On se voit jeudi, mais sur Mortal Kombat. Un petit combat à la Mortal Kombat X, quoi. Et donc voilà, ça va être ça. Je pense que, ouais, je vais faire des combats à la Mortal Kombat. Oh, 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 oh. À totem. Attention. Baboum. Jaune ou blanc. You. Ok, c'était Emily. C'est pas une grande perte. Wow, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Putain de merde. Donc voilà, les amis, je crois qu'on fera ça comme ça. Et puis, ouais, je vais vous faire une petite vidéo de pas longtemps, comme pour un petit down sur Mortal Kombat X. Vous retrouverez demain, ça sera... Demain, c'est... Ça doit être Waze ou Feveys. Je sais plus. Je crois que le vendredi, ça, et le vendredi et samedi, ça sera Feveys. Et le dimanche et mercredi, ça sera Waze. Enfin, je sais pas. Il vous dira quoi, de toute façon, hein, faut pas vous inquiéter pour tout ça, quoi. Donc voilà. Voilà les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout. Lâcher un like. Mettre les commentaires. Si y a... oh putain. On voit trop ta tête là. Donc voilà. Lâcher un like, un commentaire, tout ça. Aimer la vidéo. Et puis... Ah oui, et puis c'est pour dire que... Ouais, ils étaient énervés. Mais moi, contre la Bezo Gaming, j'ai rien de toute façon. Moi je fais mes vidéos, ça vous plaît ou pas. Enfin, c'est comme vous. Voilà quoi, hein. Vous me comprenez. Moi je fais mes vidéos. J'essaie de faire plaisir aux gens, c'est tout. Je veux pas être en guerre contre une autre team ou. Enfin bref. Donc voilà les amis. À bientôt. Ciao.